demander d'où vous provenez? Pour Vasolie. Sur quel, dans quelle catégorie courez-vous, vous, monsieur? 125. 125. Qu'est-ce que ça développe comme puissance, hein, monsieur, un moteur? Et ça peut atteindre quelle vitesse? Disons, sur magique, 120. Et on les atteint facilement? Ouais. Vous avez déjà fait les entraînements ce matin? Ouais. Et ça s'est bien passé? Non, j'ai un petit problème d'essence. Ouais, je vais aller l'essayer. Eh bien, bonne course alors. Au revoir, monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. D'où provenez-vous monsieur? Je viens de la région de Mons. C'est du quel côté ça dit? La province du Hainaut. Et je vois que vous avez un petit problème là. Oui, j'ai une attache moteur qui est cassée donc je dois remplacer la vis et il faut enlever le moteur pour ça. Il faut être vraiment mécanicien pour courir ce karting. Moi je m'y connais rien du tout. Mais vous vous en sortez quand même. On a un peu d'aide partout. Hein. Vous courez sur quelle catégorie, vous, monsieur? Catégorie 125. Il y a une bonne entente, monsieur, entre les pilotes comme ça? Très bonne entente, meilleure qu'en voiture. Dans le temps, je cours en voiture, puis je préfère l'entente du kart. Ah, c'est ça. C'est sympa. Merci. Pardon, monsieur. Vous pourriez me dire ce que vous faites, là? Préparation ou entraînement. Ça fait longtemps que vous faites du kart? C'est la deuxième saison. Et vous faites ça en amateur, vraiment par plaisir? Par plaisir, oui. Et une saison de cartes, ça vient cher? Quand le problème, oui. Préparation de moteur, Où préparez-vous vos moteurs? On les prépare. Les mécaniciens? Les mécaniciens, oui. Bonne grosse. Pardon, monsieur. Je peux savoir ce que vous faites, là? Pour la pression des pneus. Il faut faire ça avant chaque course ou juste en début de journée? Bon, à chaque manche. À chaque manche? Vous venez de loin comme ça? De Mons. De Mons? Et comment ça se fait que vous venez jusqu'à Andenne de Mons? Il n'y a pas des courses plus près? Aujourd'hui, non. Et il n'y a pas de championnat en Hainaut. C'était comme problème avec ce moteur, monsieur? Il y a une vis de carburateur qui s'est détachée, qui est tombée dedans. T'as que de la chance. Il y a des dégâts? Ben, on y va au café. Et vous allez réparer sur place? On va essayer. Ça dure longtemps pour réparer ça? Quelle est la puissance de ce moteur, monsieur? 15 ou 17 chevaux. Et on peut atteindre des vitesses... Dépend des rapports. De piste. 100 km/h. C'est pas effrayant à ras de marguerite comme ça? Oh non, je suis habitué. Et vous êtes venu ici pour gagner? Bon, on espère toujours, mais j'ai un peu de chance quand même. Vous avez des coéquipiers valables, oui? Oui, oui. Plus fort qu'à d'autres, on en essaie deux là. Et qu'est-ce que vous devez faire alors pour ça quand ça glisse? Il y a moyen d'y remédier? De la pression d'être. Le réglage du châssis, il y a que la pression d'être le réglage du châssis. Il faut l'élargir ou refermer l'arrière ou l'avant. Ah ouais. Et les pneus, les dessins, vous pensez que c'est toujours la même chose? Non, enfin bon. Le pneu, tant qu'on voit le trou. C'est beau, mais quand on ne voit plus les trous comme à l'avant, etc. Ben après, il n'y a plus rien. Bonjour Olivier. Bonjour Rafa. Dis-moi, toi qui as déjà été champion de la province de kart, c'est pas trop dur pour toi de voir rouler les autres? Bien si, c'est très dur, hein, mais
que veux-tu, maintenant, père de famille, et puis la course coûtait quand même assez cher. Je suis passé du côté de l'organisation et avec un petit pincement au cœur, mais tant pis. Et tu ne comptes pas un jour reprendre ? Si, l'idée n'est pas enterrée. Nous pensons toujours dans la famille à faire toujours une course ou l'autre. D'ailleurs, nous possédons toujours nos châssis et si Dieu nous prête vie, qui sait ? Quel est ton rôle exactement maintenant dans l'organisation ici à Andenne ? Mon rôle ici est de vérifier que tous les concurrents aient bien le poids minimal et de mettre un petit peu de l'ordre ici dans, dans la zone de décélération. Dis, tu me parles de poids maximal, c'est-à-dire combien ? 125 kilos pour la, en général dans toutes les classes, sauf les inters, donc les, normalement les meilleurs, qui eux font 135 kilos. Et cas spécial, les cartes à vitesse, 125 cm3, eux, c'est 150 kilos. Ah bon ? Et zone de décélération, ça veut dire quoi exactement ? C'est une zone qui prépare l'entrée au stand. C'est-à-dire que cette zone-là doit être libre de tout obstacle pour permettre aux concurrents de rentrer dans les stands et de ne pas faire d'accident avec les spectateurs et autres concurrents à l'arrêt. Tous les pilotes sont inscrits signent un abandon de course. C'est-à-dire qu'ils ne s'en prendront jamais à personne de l'organisation. Même à vous, à cette réponse et tout ça, à personne. Il y a d'autres pilotes même non plus. C'est-à-dire qu'ils tout, et à leurs héritiers, tout ce qu'on veut. Bon. Mais la même chose pour la presse. Les gens de la presse, s'ils ne veulent pas signer ça, ils restent derrière les barrières. Ils savent pas dans le pays. Ils sont à couvert alors, à ce moment-là. Si ils signent ceci, ils vont partir alors. À leur risque péril alors. Mais je peux vous en donner à chaque sorte. Je vais aller chercher. Oui. Il n'y a pas de contrôle technique pour les kartings ? Si, voilà, c'est le contrôle technique. Ah, c'est le contrôle technique, c'est ça. Daniel, c'est bon ? Donc, on se roule, ok. Sauf la fiche d'engagé. Bon, ici, la feuille d'engagé. Or, Denis Buffet. Je compte, s'il vous plaît. Ah oui, Anthony, il ne faut pas toucher son frère. Non. Tu l'es jamais, hein. Sans. Ah, et si j'avais ta feuille d'engagé, ça se peut que feuille d'engagé. Ah, ça y est, t'es comme vous dites, toi. Où est-ce qu'on parle de ça ? À l'engagement ? Oui. Je fais confiance. Denis Buffet, donc oui. Ça va Daniel, il n'y a rien à recaler sur Denis, non ? Pour vérifier le poids. Le poids. Le poids. Quels sont les points que vous vérifiez, monsieur, comme ça, au contrôle technique ? Principalement les freins, le diamètre du car. C'est le diamètre du car. Numéro du moteur. Un peu tendu comme ça avant un départ. Très tendu. Ça fait un peu départ de Formule 1 quand même, non ? Oui. Surtout avec beaucoup de monde comme ça et des gens, des clients sérieux comme on dit. Il y a un tour de chauffe ? Il y a un tour ou deux de chauffe, ça dépend du directeur. C'est qu'il faut rester tous ensemble pour le tour de chauffe. S'il y a trop d'écart, il peut aller jusqu'à trois tours de chauffe. Et après, il arrête pour prendre le nouveau départ. Thank you.
pied d'entrée. Le pilote. S'il y a des chevauchements avant la ligne, c'est pas difficile. On arrête et ceux qui sont partis trop tôt, ils vont. On demande des pousseurs. Oui, oui, bien entendu, mais on verra. Deux pousseurs. Voilà. Il me faut deux pousseurs. Les bleus et les pousseurs, tous les autres. Alors on n'est pas trop tendu avant un départ comme ça? Je ne pars pas maintenant, c'est la course suivante. Ah d'accord. Je ne fais que de pousser pour l'instant. Ah. Il faut toujours pousser comme ça au début, non? Toujours, oui. C'est une transmission directe, alors il faut pousser pour mettre le moteur. Alors chaque karting a son pousseur alors? Oh, oui, parfois deux pousseurs, ça dépend du poids du pilote. Ah d'accord. On n'est pas trop tendu monsieur avant un départ? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Relax alors. Fernand, vas-tu bien vite? Préparé. Il claque son bras deux fois qu'il avait. Cinq, là, tout seul. Oui, ça. Et là, tout seul. Et le premier